Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire découvrir comment transformer un vernis à ongles en un stylo pour la rentrée. C'est parti! Au niveau du matériel, il va nous falloir une paire de ciseaux, un stylo bic couleur au choix, il nous faudra également notre flacon de vernis, un pistolet à colle chaude et de la déco type strass si vous avez. Donc on commence par ouvrir notre flacon et donc on va prendre la partie pinceau que l'on va démonter, donc soit avec une petite pince ou une petite paire de ciseaux. Donc on retire cette partie pinceau que l'on met à la poubelle et ensuite on nettoie le tout correctement de façon à ce qu'il n'y ait plus de vernis qui coule partout. Une fois que c'est propre, on peut remettre le tout en place. On nettoie également le tour de notre flacon. Après ça, on démonte notre stylo de façon à ne garder que la partie où il y a la pointe et l'encre, donc celle-ci. Ensuite, on va placer le tout à côté de notre flacon de façon à ce que cette partie rejoigne celle-ci. Et ensuite, on fait une petite découpe au niveau du bas qui s'adapte à la taille du flacon. Donc quand on coupe, on y va tout doucement de façon à éviter que l'encre ne gicle partout. Ensuite, on prend notre pistolet à colle chaude et on va venir réaliser comme un petit bouchon au niveau de l'extrémité pour éviter que l'encre ne coule partout. Donc moi j'avais fait un premier essai sans boucher et donc l'encre a coulé partout dans le flacon et n'a plus fonctionné. En faisant comme ceci, l'encre ne va pas se sauver et le stylo fonctionnera correctement. Ensuite, toujours avec notre colle chaude, on va venir boucher ce trou. Donc, premièrement, pour éviter que le vernis ne se sauve dans tous les sens lorsque l'on va le retourner pour écrire avec le stylo. Et ça va également nous servir à caler la pointe du stylo à l'intérieur du trou. Donc, une fois que c'est mis en place, on va reprendre un petit peu de colle chaude pour venir complètement fermer le tout. Donc on racle un petit peu ce qui dépasse de façon à faire quelque chose de propre. Une fois terminé, voici ce que ça nous donne. Donc moi j'ai décidé de décorer le bouchon de mon flacon de vernis en y posant dessus des petits strass noirs autocollants. Donc avec ces petits strass, je fais tout simplement le tour du flacon. Après, de votre côté, pour la déco, libre à vous de faire ce que vous avez envie de faire. Une fois le tout complètement recouvert, voici ce que j'obtiens. J'ai donc terminé mon petit stylo vernis. Je le trouve plutôt sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et moi, en attendant de vous retrouver pour un nouveau tuto, je vous fais plein de bisous. Bye !